37e page, Special to Bishvat, traité Brachot. Et on est toujours dans les alimentations. On va parler du riz aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, pas le riz chinois, hein. Le riz spécial qu'il y a dans le monde. Et que, quelle est la bénédiction qu'on fait sur le riz? Alors j'espère que tout le monde connaît déjà les initiales Amen. Amen veut dire en hébreu Aleph, Orez, Mem, Mezonot, Nun, Nefashot. On n'a pas encore cité que chaque fois quand on mange quelque chose, on fait une bracha avant, mais on fait également une bracha après. Une bracha finale, je crois en français, un bracha rona. Tout ce qui est pas des sept céréales d'Israël, on fait une bracha boré nefashot rabot vechesronan, une bracha classique, qu'elle veut dire merci à la fin du repas. Je pense que chacun qui l'a invité quelque part, il ne va pas seulement remercier ce qu'il mange, même à la fin, il va dire merci. C'est un merci général. Quand l'alimentation qu'on va manger est précise, ce qui veut dire quand c'est mezonot ou motzi, alors pour motzi on va faire birkat amazon, c'est de la Torah, ve'achalta ve'savata u'berachta. Et quand on va manger mezonot, on va faire me'en shalosh, ce qui s'appelle ala mihya ve'ala kalkala. C'est un résumé des trois prières de birkat amazon. Si on va manger des fruits de la terre d'Israël, des sept céréales qu'on avait citées déjà hier, on va faire la même chose, mais Inch'Allah, mais à la place de dire à la Mirya, on va dire à la Perot, sur les fruits d'Israël. Et quand c'est du vin, on va remercier Dieu également avec la même prière, mais Inch'Allah, mais on va signer la bracha à la Geffen, vers Alperia Geffen, sur les raisins, sur le vin. Et si c'est du vin d'Israël, même là, c'est encore plus précis, on va dire Alperi Gafna. Et ce sera pareil aussi pour les fruits d'Israël, on va dire Alperotea. Tout ça, on l'a devant nous dans le Sidour. Le seul qui est unique, c'est le riz, qui fait partie des espèces, comme des céréales, à tel point qu'il y a tout un sujet, mais on va le garder pour Pessah. Est-ce que le riz est autorisé ou pas autorisé? Il y a un rabbin dans la Gemara, dans la 37e page justement d'aujourd'hui, Rabbi Yohanan ben Nouri, qui disait qu'on peut faire une galette avec le riz, mais il faut faire attention de ne pas dépasser les 18 minutes. Ce qui est spécial dans le riz, qu'à la fin, les rabbins ils sont mis d'accord, et c'est la halakha pour nous, que même si on va faire boré miné mezonot, c'est quelque chose qui va nous nourrir, comme le blé et les autres céréales, mais la bracha finale, elle va être boré nefashot rabot vechesonan, comme une alimentation de catégorie chez Akol. Voilà, c'était une petite résumé dans les trois petites minutes qu'on a pour tirer cette petite cuillère pour continuer à être précis dans le merci. Bonne journée à tous et à demain si Dieu veut pour la page 38.